parce que tu veux qu'ils disent. Bonjour, je vous accueille dans cette seconde séquence du séminaire aux racines de l'exploitation des ressources, alimentation, extractivisme, écologie, qui est donc organisé en partenariat avec Health of Mother Earth Foundation, l'ONG dirigée par Nimo Basset, qui est donc l'invité d'honneur de cette troisième édition de À l'école de l'Anthropocène. Donc ce séminaire, comme je vous le disais, se déroule en trois séquences. Hier, il fut question d'alimentation. Demain, à compter de 16h30, il s'agira du colonialisme vert. Et aujourd'hui, durant les 2 heures qui viennent, nous parlerons des liens entre régime de plantation et extractivisme. La plantation, comme vous le savez, est un régime tout à la fois très heureux pour un petit nombre, au sens de pourvoyeuse d'enrichissement spectaculaire, et extraordinairement violent pour des humains associés à des ressources et des paysages. La monoculture mise en œuvre dans les plantations a remplacé les environnements amérindiens premiers, et cette intensité productiviste de la monoculture a été permise par le déplacement forcé de millions d'humains, d'Africains, réduits en esclavage. Sans cette combinaison, nous, en France, par exemple, nous n'aurions ni sucre, ni coton. Les colonies n'auraient eu alors nulle valeur, ni le commerce mondial, condition nécessaire de l'industrie manufacturière qui a tant enrichi les puissances colonisatrices occidentales. Au fondement, et ce sera le sujet d'aujourd'hui, l'extractivisme, cette logique d'épuisement de la moindre ressource exploitable afin d'alimenter les systèmes productifs et les marchés qui détruit, comme vous le savez, les milieux et qui est à l'origine de circulations incessantes d'hommes et de matières qui traversent la Terre en tous sens. Pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir 4 invités. Bonjour à eux. Nimo Basset, vous êtes l'un des principaux défenseurs et militants des droits humains et environnementaux en Afrique. Vous dirigez depuis Benin City au Nigeria le think tank écologique HOMEP. Christine Chivaillon, vous êtes géographe et anthropologue, directrice de recherche au CNRS. Vos travaux portent principalement sur les univers caribéens et les sociétés à fondement esclavagiste des Amériques. Malcolm Ferdinand, bonjour. Vous êtes ingénieur en environnement, docteur en philosophie et chercheur au CNRS. Vos recherches sont notamment dédiées à l'Atlantique noir et à la Caraïbe. Vous avez publié un livre remarqué au Seuil en 2019, Une écologie décoloniale, penser l'écologie depuis le monde caribéen. Enfin, et heureusement, nous avons également bonjour Firoz Manji. Vous enseignez au Canada et avez une longue expérience d'activiste dans le développement international, la santé, les droits de l'homme et l'organisation politique. Vous êtes par ailleurs enseignant et très actif dans le domaine de l'édition, avec entre autres plusieurs médias et titres comme Daragen Press, la Pan African Social Justice Newsletter ou encore Pambazuka News ou Pambazuka Press. Bonjour à tous les 4. Vous allez avoir chacun une 15aine de minutes pour exposer, on va dire, les quelques thèmes qui sont les vôtres et qui évidemment résonnent avec celui de cet après-midi. Et ensuite, nous pourrons entamer cet échange d'une heure environ avec le public également en fin de séance. Bonjour à tous. Donc peut-être nous pourrions commencer par Nimo Basset. Thank you very much. Valerie, I must say we are extremely delighted to hold. Nous sommes extrêmement heureux que un tel séminaire soit organisé. Nous sommes également
heureux de travailler avec vous toutes et vous tous. Dans cette session particulière d'aujourd'hui, où l'on va parler de plantation et extractivisme, et d'écologie, bien sûr. J'ai hâte d'écouter ce que Malcolm a à dire. Mon ami Firoz également. Qui a beaucoup étudié l'extractivisme. Il fait un parallèle entre extractivisme et soustraction. J'aimerais bien qu'il nous en dise plus. Merci beaucoup, donc, Valérie. Donc, je vais utiliser le temps qui m'est imparti pour vous présenter ces questions, notamment l'aspect culturel de la plantation et de l'extractivisme, notamment le secteur minier, qui est l'exemple même de l'extractivisme, qui touche de nombreuses communautés avec lesquelles j'ai travaillé. Donc c'est une soustraction très négative, soustraction de vie, de culture. Et comme nous le savons, l'extractivisme est un mécanisme pour l'accumulation de capital, pétrole, gaz et autres minéraux issus de l'industrie minière. C'est également une soustraction de culture, mais pour le secteur minier et le secteur agricole, nous pouvons parler d'un système mené par les consommateurs, des industries et des individus, des consommateurs mais sous forme d'industrie ou d'individus. Donc le capitalisme minier permet également de laisser des dépôts de rebuts, de déchets dans les communautés, toujours dans l'objectif de contenter les investisseurs. J'espère que je suis traduit. Oh, thank you. Right. So mining, I repeat myself, mining capitalism. Donc le capitalisme minier permet de laisser des montagnes de déchets dans les communautés, toujours en essayant de ne pas être poursuivi pour ces exactions. L'industrie continue ses activités d'extraction. Et le problème, c'est que nous vivons tous sur la même planète, et la planète a des ressources limitées, donc on ne peut pas extraire à l'infini. L'extraction, c'est également l'accaparement, accumulation de capital. Et pour posséder, il faut que quelqu'un soit dépossédé. Et cela plonge ses racines clairement dans l'attitude coloniale. Coloniale pour le bien du marché mondial et pour le bien des marchés impérialistes, et non pas pour le bien des marchés locaux et des populations locales, où cette extraction a eu lieu et a encore lieu. Parce que nous sommes encore dans une situation de colonialisme. Et l'extractivisme est actuellement promu par la géopolitique, l'équilibre des pouvoirs politiques, la restructuration des systèmes agricoles. Et tout cela, bien sûr, a des conséquences sur le changement climatique
puisque les nouveaux systèmes agricoles sont responsables des situations des marchés agricoles et alimentaires. Et cela a également pour conséquence l'appauvrissement des petites exploitations agricoles locales au profit de l'agriculture industrielle. Maintenant, nous allons parler de l'extractivisme lié aux activités forestières. Il y a des parallèles. La définition de la déforestation selon les structures qui soutiennent cette déforestation, c'est que la déforestation permet de dégager des terres qui vont pouvoir nourrir les populations. Et cela est faux, puisque ces mêmes structures prônent la monoculture. At best, it would be a collection of one particular exotic tree that has. Il y a par exemple des bois exotiques qui sont exploités, mais qui sont exploités pour le bien des consommateurs qui se trouvent ailleurs, et non pas pour le bien des personnes qui vivent sur ces territoires. Donc, extractivisme de bois exotiques. Extractivisme pour faire du papier, extractivisme également pour l'industrie de la mode. Donc ce type d'extractivisme agricole a imposé la notion que l'agriculture pour le papier ou l'agriculture pour le carbone est quelque chose de positif. Mais cela est faux, puisque de telles activités ont mené à ce qu'on a appelé l'esclavage du carbone. C'est-à-dire les spéculateurs sur le carbone organise des forêts et demande aux communautés locales de s'occuper de ces forêts pendant 7 ans à raison de 63 euros par famille qui prend la peine de s'occuper de ces forêts. Et ces accords n'incluent pas des dispositions qui vont au-delà de 7 ans. Il faudrait qu'il y ait des dispositions pour que les familles aient du travail pour beaucoup plus longtemps. Donc nous sommes dans une situation typique de colonialisme carboné. Voilà le type de système qui a été mis en place et qui est une forme moderne d'esclavage. Les forêts, les plantations deviennent des sortes de déserts verts, puisque les pollinisateurs, les oiseaux, la faune est tué. Ce sont des forêts silencieuses. Il y a un documentaire qui s'appelle comme ça, la forêt silencieuse. Ce sont des forêts qui ne sont plus naturelles. Et l'expansion des plantations a mené à créer de nombreux conflits dans la région, notamment pour des problèmes de politique spatiale. Parce que lorsque les territoires sont utilisés pour ce type de monoculture développée pour l'extraction,
Les systèmes sociaux, les systèmes spirituels, économiques sont totalement rasés, sont détruits. Et cela peut continuer simplement parce que les industries qui font cela sont soutenues, notamment par des institutions financières. Et avec l'avènement de la biologie synthétique, cette dépendance envers la biologie des forêts nous fait encore considérer la valeur des forêts uniquement à l'aune de l'économie. Et les populations locales sont exposées à des situations extrêmement dangereuses. Et qui bénéficie de l'agriculture de plantation? Qui bénéficie de l'extractivisme? Ce ne sont pas les populations locales. Donc, on essaye de mettre sur cette triste réalité des récits d'économie verte. Le vert, c'est beau, le vert, c'est la vie, le vert, c'est l'écologie. Alors que l'économie verte n'est absolument pas en lien avec tout cela. C'est une économie qui ne respecte pas la nature, mais qui exploite la nature. Il faut maintenir les cycles naturels. En Bolivie, en Équateur, l'extractivisme a démontré que il impactait la nature, il cassait les rythmes naturels. Et ces pays qui pourtant mettent la nature au sein de leur constitution sont des pays qui également acceptent l'extractivisme. C'est une sorte de contradiction. Maintenant, je vais vous donner deux exemples où des notions ont été imposées pour promouvoir l'extractivisme. Une sorte de super autoroute qui reliait l'Atlantique au milieu du pays au Ghana. Et le problème, c'est que cette super autoroute allait couper en deux une forêt primaire. Et cette autoroute était présentée comme une sorte d'avenue pour tracée pour l'industrie forestière pour pouvoir déplacer le bois. Et donc, c'était présenté comme une structure, une infrastructure belle, entre guillemets, une belle infrastructure. Et lorsque on parle aux gens, on leur fait les fausses problèmes, les fausses promesses de l'extractivisme. Donc, cela, c'était au Nigeria, en fait. Et au Ghana, il y a une zone de mines d'or et seul 7% de l'or extrait de ces mines revient au Ghana. Et il est clair qu'on peut parler d'exploitation coloniale à son niveau le pire.
presented as development is actually total falsehood and must be rejected. Et il faut absolument rejeter ce type de projet. Merci beaucoup, Valérie. Merci beaucoup, Nimo Basset. Maintenant, nous pouvons peut-être passer la parole un temps à Christine Chevaillon. Merci. Bien, bonjour à tous. Je voudrais vous remercier, hein, vous, les organisateurs de cette semaine particulière en temps de pandémie. Remercier en particulier Michel Lussault avec un peu un clin d'œil pour sa confiance renouvelée à quelques 20 et quelques années d'intervalle. Je voudrais remercier aussi Bérénice avec qui j'ai eu la joie de faire un entretien pour cet événement. Et puis, remercier Cédric, Antoine, etc. Pour la préparation. Et remercier également les participants de cette rencontre, collègues et activistes dont je connais certains, je connais Malcolm, pour le partage de ce moment où je conçois ma présence de l'ordre du témoignage quant à ma position de chercheuse, un témoignage qui porte à la fois sur ce qui a été au fondement de mes recherches depuis plus de 30 ans, à savoir le système de plantation esclavagiste, et surtout les interstices où se déploient des résistances inédites, un système que l'on a fini par désigner par le terme de système plantationnaire, terme qui annonce selon moi la venue du plantationocène dans sa visée engagée à désigner l'exploitation intense des corps humains. Et puis, un témoignage aussi qui prend en compte également ce qui a été le pendant indissociable de mes recherches, à savoir le milieu même de la fabrication de la recherche, c'est-à-dire cet univers qui est régi par des codes, des façons de faire, des régulations, des principes d'acceptabilité des discours, et qui amène à comprendre la production des concepts, et celui donc d'extractivisme, dans des réseaux de relations de pouvoir, et des milieux de socialité contraignants. Et ces milieux compliquent en définitive les manières de contrer les pratiques épistémiques hégémoniques. Et pour alimenter notre discussion sur l'extractivisme, sur la prédation, sur la pulsion d'accumulation, je voudrais donc, de manière un peu provocatrice, si j'ai le temps, je voudrais poser la question de savoir si ce principe moteur de l'extractivisme ne se retrouve pas d'une certaine façon présent dans cet univers de fabrication de la science. Alors, je vous propose donc une intervention en deux temps. D'abord, revenir à la plantation et puis ensuite rejoindre le milieu de la science qui pense la plantation. Alors, pour la plantation, nous sommes aujourd'hui réunis autour de cette idée selon laquelle le système plantationnaire serait le milieu matriciel de l'Anthropocène. Anthropocène, dont je ne vais pas dire grand-chose dans ma présentation, de cette charge critique qu'il appelle, comme le disent certains termes comme anglocène, capitalocène, etc., ce système de plantation finissant, une fois qu'on le décrit, par nous dire à lui seul l'évidence de l'imposition par une minorité humaine d'un ordre d'exigence dévastatrice et inégalitaire. Alors, dit autrement, la plantation esclavagiste, c'est le foyer par excellence d'un commencement. Alors, commencement de quoi ? Un commencement d'une manière, à mon sens, nouvelle de concevoir l'accès aux ressources et leur exploitation. La monoculture s'impose d'une telle manière qu'elle transforme les paysages en vastes champs de culture au détriment de la biodiversité. On parle d'île à sucre pour les Antilles, qui sont l'exemple le plus poussé de cette exploitation totale de l'environnement, pliée dans sa quasi-totalité à cette logique de l'extraction. Aucun système, bien sûr, ne s'élabore sans les ruines de ceux qui les ont précédés. Et on pourrait tracer une généalogie de ce capitalisme marchand d'exploitation qui se consacre entièrement à la production de denrées pour les marchés européens. Mais il se joue un événement dans cette évolution au sens d'une rupture avec les régimes précédents. Et le sociologue jamaïcain Orlando Patterson avait affirmé que le mot « société » ne pouvaient pas s'appliquer à ces systèmes tellement que leur finalité était exclusivement celle de la production. L'exploitation des corps est consubstantielle de celle des ressources. Et c'est ce que tu appelles, Malcolm, la double fracture de la modernité.
puisque l'esclavage est effectivement au fondement même de la modernité occidentale, laquelle se met en marche véritablement aux Amériques, une matrice qui commence à peine à se dire pour ce qu'elle est vraiment, une exploitation sans précédent qui installe durablement la racialisation des rapports sociaux. Et j'ai été surprise de voir l'article de Thomas Piketty dans Le Monde après les événements du Capitole à Washington, qui confirme cette venue à un disciple plus large et plus assuré dans la sphère occidentale, quand il dit « le système esclavagiste a joué un rôle central dans le développement des États-Unis, comme d'ailleurs du capitalisme industriel occidental dans son ensemble ». Bon, ça peut nous paraître une lecture assez banale pour les spécialistes, mais qui jusqu'ici, lecture, restait plutôt considérée comme radicale, parce que le savoir occidental continue de peiner à affronter la question de son soubassement profond. Achille Bimbé, dans son ouvrage de 2016, a parfaitement établi le principe de consubstantialité à la base de l'extractivisme de la plantation, c'est-à-dire le binôme corps humain-marchandise. Le terme de fongibilité qu'on utilise maintenant est venu désigner ce binôme au terme enchâssé pour mieux faire accéder à cette déshumanisation profonde qui accompagne la pulsion territoriale. Et Bimbé parle ainsi de production de nègres en tant que corps d'extraction, c'est-à-dire de corps entièrement exposés à la volonté d'un maître et duquel on s'efforcera d'obtenir le maximum de rentabilité. Pour Édouard Glissant, la plantation, c'est un des ventres du monde, l'anomalie gigantesque comme exigence structurante de la modernité, dont autant la crise écocidaire que les rapports racialisés sont le prolongement direct dans nos mondes d'aujourd'hui. Le lien entre l'exploitation esclavagiste et notre monde contemporain, via l'industrialisation, a été postulé depuis longtemps dans des thèses d'économie historique comme celle centrale de l'historien trinidadien Eric Williams, toujours discutée plus de 75 ans après sa publication, et qui affirme que l'esclavage a été la condition même de la révolution industrielle. Et là, j'ai à cœur de mentionner les remarques de l'historien américain Greg Grandin en 2015, qui déplorait qu'en dépit des nombreuses études sur l'esclavage, chaque génération de chercheurs semblait condamnée à prouver constamment l'évidence d'un énoncé jamais acquis, à savoir que l'esclavage a créé le monde moderne. Les divisions du monde moderne sont le produit de l'esclavage. Et il en déduisait ainsi, donc Greg Grandin, que l'esclavage est à la fois la chose qui ne peut être transcendée, mais aussi celle qui ne peut jamais faire l'objet d'une mémoire. C'est en quelque sorte à partir de cette même appréhension d'une histoire et d'une mémoire condamnée à être tenue pour marginale, résiduelle, révolue, non essentielle, que j'ai pour ma part accueilli le concept de plantationocène comme, j'ose le mot, révolutionnaire. Je disais que plantationnaire avait préparé sa venue, dans la mesure où ce mot disait déjà la violence intrinsèque du système. Le mot déporté pour les captifs africains apparaissait aussi à la même période, je dirais approximativement au moins en France, au début des années 2000, ce qui est tout à fait récent. Et on reste cependant loin encore de la force du terme plantationocène créé par Anat Singh et Donna Haraway en 2014. Il est issu de la critique du terme anthropocène, mais il est capable de rétablir les connexions et se présente selon moi comme un formidable outil qui porte à un niveau de conscientisation jamais atteint ce que esclavage veut dire pour la modernité occidentale et pour ses conséquences actuelles dramatiques, éminemment toxiques, dans les manières de conformer la terre, l'environnement, le vivant, la matière, à des projets imposés par une minorité historiquement blanche, une petite coterie d'hommes blancs, comme dit Andreas Molm, avec cette urgence menaçante qui gouverne désormais l'ensemble de nos vies. La plantation, elle est véritablement matricielle d'un imaginaire dystopique et pourtant incarné dans des principes d'exploitation maximale pour une accumulation voulue maximale. Imaginaire à la longévité étonnante, et je ne veux pas empiéter sur les propos de Malcolm, enfin les propos que j'anticipe, qui sauront dire, je pense, la portée de la perspective d'écologie décoloniale
où la notion de plantationocène trouve sa place, mais je souhaite seulement insister sur la capacité du terme à faire bouger les lignes dans des milieux intellectuels et académiques, alors plutôt français, hein, enclins à trouver la pensée radicale et à la stigmatiser comme telle dès qu'elle aborde le débat sur l'esclavage, le colonialisme, comme lié à la suprématie blanche occidentale. On peut aussi dire que c'est la critique de l'anthropocène qui suscite ce retour sur la plantation, sans nécessairement faire usage du terme plantationocène, mais en relisant grâce à lui l'histoire de ce que Catherine Youssoff appelle une géologie blanche, ce récit anthropocénique dont elle dit qu'il socialise la géologie et géologise le social, ceci pour ne pas perdre de vue que l'anthropocène en définitive ne peut pas désigner autre chose que la matrice d'où la modernité émerge à partir de l'inhumanité de l'esclavage et des millions de vies soumises à la violence de son système. Les recherches que j'ai conduites à partir du milieu des années 80 sur les paysanneries antillaises ont pris appui sur des travaux qui montraient déjà la coprésence des manières d'habiter la terre. Des ethnobotanistes dans les Antilles françaises comme Jacques Barrault ou Elisabeth Étifier-Chalonneau, d'autres encore, permettaient de contrer les interprétations dominantes, le plus souvent formulées par des géographes, sur la faiblesse des méthodes de culture paysanne, leur peu de rentabilité, leur archaïsme présumé, tout ceci par comparaison avec la plantation souveraine tenue pour le modèle par excellence du progrès. Le paysannat était pourtant l'une des expressions les plus achevées d'une culture complètement dévolue à s'extirper de l'univers de la plantation, et ceci jusque dans sa manière de reproduire par les usages agraires forgés dans un rapport intime à la terre, l'environnement forestier, reproduire cet environnement-là, tenu pour être le lieu de la création du divin, un environnement aux équilibres sacrés. Et le paysannat prolongeait les aspirations des esclaves, développées dans les marges si étroites du système esclavagiste, avec ses jardins nègres qui étaient ces espaces paradoxaux, contrôlés par le maître qui les autorisait, pour que l'esclave assure lui-même la reproduction de sa force de travail, mais qui contenait un ferment émancipateur qui échappait au maître dans cette possibilité de nouer un lien vital à l'environnement. Et si j'avais à réécrire ces recherches aujourd'hui, nul doute que les termes qui ont jailli avec l'avènement anthropocénique serviraient à donner plus de force encore à la résistance obstinée qui a caractérisé la paysannerie antillaise. J'y verrai et j'y vois une culture du contre-plantationocène, de la même manière qu'avec plusieurs auteurs, nous avons pu parler, avant cette arrivée du terme plantationocène, de culture du contre, contre-culture de la plantation, culture de la contre-plantation, culture contre-hégémonique, culture de la contre-modernité, culture du contre-ordre, culture du contre-habitus, autant de termes que l'on avait forgés et auxquels s'ajouterait et s'ajoute aujourd'hui le terme de contre-plantationocène. Ce qu'apporte cette perspective sur le plantationocène, c'est l'installation d'une trame d'intelligibilité où les rapports de domination reconfigurent le projet de la modernité occidentale. On peut penser que ces rapports de domination désertent d'une certaine manière les études qui sont aujourd'hui associées au nouveau matérialisme, basé sur le couple humain non humain. Et j'en viens donc rapidement à mon deuxième point, à mon deuxième témoignage, sur cette vie sociale des idées produites dans les milieux académiques. Je me suis intéressée au cours de ces dernières années au nouveau paradigme de l'humain non humain, parce qu'il me paraissait justement ignorer ces rapports de domination. Sous la figure tutélaire de Bruno Latour, ce paradigme déconstruit la convention moderne, c'est-à-dire cette division du monde entre nature et culture, qui légitime la prétention à contrôler les ressources, et cette division est désormais vue comme illusoire, le vivant, le non-vivant, l'humain, le non-humain, étant dans un réseau d'échanges constant de propriétés que les modernes s'évertueraient à camoufler. Cette conception se satisfait selon moi d'une binarité certes déconstruite, mais qui ne prend pas en compte un troisième terme, qui est celui de l'inhumain. Et l'inhumain, c'est précisément ce que produit la plantation. Alors je ne peux pas aller trop loin dans mon propos, mais je voudrais seulement dire que l'introduction dans ce paradigme des pratiques inhumaines ramène à revoir de manière plus critique cette approche nouvelle de la modernité pour y déceler en elle autre chose
de la séparation nature-culture, cette ontologie que Descola a qualifiée de naturaliste et dont il ne veut pas la traiter autrement que sur un même plan d'équivalence avec les autres ontologies, autant dire en biffant les rapports de pouvoir. Or, l'introduction de l'inhumain brouille en quelque sorte cette assise où il n'y aurait plus qu'à se tourner vers d'autres ontologies, vues comme presque pures et purifiées, celles des peuples indigènes, des communautés marones, et laisser ainsi vacant le champ des relations de pouvoir. Cette ontologie de la fabrication de l'inhumain, de l'animalisation de l'humain, est absente de ces conceptions nouvelles où seul le clivage nature-culture apparaît opérationnel. Or, dans la plantation, c'est le principe de l'animalisation de l'humain, de sa brutalisation qui est à l'œuvre. Et comment l'ignorer? Dans ce cas, de quelle ontologie parlons-nous quand la modernité participe de la dénaturation de l'humain? Et où se situe ce fameux grand partage des modernes s'il absorbe l'humain pour le faire devenir animal, pour le dépouiller de son humanité? Et quel nom porte cette ontologie si particulière où ce qui est conçu comme hors de l'humain appartient pourtant à l'intériorité de l'humanité? L'animalisation de l'humain dans la plantation signe le retour des régimes d'autorité sous d'autres modalités que celles des politiques de la nature. Cette inhumanité dévoile une modernité qui fait évoluer le curseur de l'humain déshumanisé au gré de variations toujours dépendantes de rapports de domination. Et je m'associe ici à Judith Butler qui continue de poser la question de savoir ce que c'est qu'être un être humain. Qu'est-ce qui sera reconnu comme humain, comme sujet humain, discours humain, désir humain? À quel prix? Pour qui? Et sur ce plan, ce sont les poètes et penseurs antillais, je pense ici à Césaire et Glisson, qui nous interpellent puissamment au travers de ce qui pourrait être nommé une poétique du cri, une éthique du cri, une clameur qui s'élève pour dire l'humain. Car, je cite Glisson, la contrainte trois fois séculaire a tant pesé que lorsque cette parole a germé, elle a poussé en plein champ de la modernité, c'est-à-dire qu'elle s'est élevée pour tous. Il n'y a d'universalité que de cette sorte, quand de l'enclos particulier, la voix profonde crie. C'est en cela que le plantationocène, ce concept un peu obscur, contient la possibilité d'entendre ce cri de l'humain et de porter un regard renouvelé sur les conceptions qui s'engouffrent sans retenue, dans des chemins où ce cri d'humanité est à nouveau rendu silencieux. Et je pense ici à cet engouement pour des cosmovisions qui ne seraient utiles qu'à la démonstration de l'existence d'un grand organisme vivant, exempt des divisions des modernes. Dans un article récent, au ton un peu désenchanté, même très désenchanté, j'ai tenté de montrer comment se construisait ce nouveau paradigme associé au nouveau matérialisme qui veulent se défaire du clivage nature-culture pour investir sans modération les plurivers, les ontologies des autres. Les principes de construction restent pourtant les mêmes que pour les paradigmes vainqueurs des années précédentes, structuralisme, post-structuralisme, cultural studies, post-colonialisme, etc. Un vocabulaire, des références et un rejet de ce qui prévalait avant. Et c'est pour cette raison que l'on ne dit plus nature, mais extériorité, que l'on ne dit plus culture, mais ontologie, que l'on ne dit plus construction sociale de la matérialité, mais emmêlement de la matière et du vivant, et le tout à partir d'un niveau de langage inaccessible hors des cercles initiés, où le philosophe Gilles Deleuze est décidément indétrônable. Quand l'anthropologue Viveiros de Castro propose d'adopter le point de vue des chamans amazoniens, il le fait en définissant le projet anthropologique comme une enquête sur les conditions d'autodétermination ontologique des collectifs étudiés. Et je me pose la question en quoi ce projet, qui s'associe à une contre-anthropologie, nous renvoie-t-il réellement à la subversion de l'institution occidentale de la science dans laquelle se développent ces démarches? Quel rapport nouveau instaure l'anthropologie si elle continue d'être rendue conforme aux normes d'acceptabilité des milieux d'où sont absents ceux dont on parle et leurs univers de pensée? Et c'est sur ce plan qu'il me semble ne pas pouvoir devoir être dupe de la présence de la pulsion extractiviste tapie dans nos institutions du savoir, s'accommodant de nos théories aussi bien intentionnées soient-elles, aussi révolutionnaires soient-elles, réclamant même la nouveauté critique et subversive comme condition de la reproduction de son hégémonie.
Et je voudrais citer l'anthropologue Zoé Todd, d'origine inuite, qui, après avoir écouté une conférence de Bruno Latour, a écrit un texte sans concession, dont le titre résume son contenu. L'ontologie est juste un autre mot pour colonialisme. La face cachée du tournant ontologique, c'est pour elle celle d'une suprématie académique, plutôt blanche, qui continue de considérer, tout en les rendant le plus souvent absents, les peuples indigènes, depuis les chaires universitaires occidentales et leurs ramifications dans les Suds. Alors comment faire politique avec et au-delà du texte? C'est la question que je voudrais poser à vous qui êtes aussi activistes. À la vue de ces textes sur l'extractivisme et autres plantationocènes, textes qui s'empilent démesurément dans les revues internationales, qui se diffusent dans les colloques prestigieux, qui fournissent la matière à la starisation hiérarchisée, à la marchandisation amplifiée des savoirs, à la capitalisation de renommée et en conséquence à la logique d'accumulation propre à la fabrication de l'édifice occidental du savoir. Et dans cet édifice, les épistémologies alternatives, y compris décoloniales, qui réclament la désacadémisation, comme le fait Felbinsar, prennent toujours le risque d'être vampirisées. Un espoir est contenu, et je terminerai là-dessus, dans le formidable texte de la philosophe Yala Kisukidi, dont l'approche s'inscrit dans les philosophies africana et qui s'inquiète de la même manière que je viens de le faire, de la capacité anthropophagique de la science. Elle parle pourtant de la part d'un savoir qui resterait indécolonisable parce que lié à un désir de philosophie qui peut demeurer intact, une fois débusqué le corps du dominant. Et ce désir-là pourrait être en mesure de distinguer deux bibliothèques constitutives de la philosophie occidentale, celle qui n'est pas honteuse et qui prend en charge le contre le pouvoir et les théologies, l'émancipation intellectuelle et politique du genre humain, et de l'autre, celle de l'abject, des pages arrachées par celui qui se trouve exclu de cette philosophie orgueilleuse ou pris pour cible, à la fois nègre, femme et enfant, et beaucoup plus encore, je la cite. Et c'est cette possibilité de désir de philosophie demeurée intacte que je soumets au débat pour entrevoir notre possibilité d'agir par nos discours et nos savoirs sur la pulsion extractiviste. Voilà, je vous remercie. Nous vous remercions, Christine Chivaillon, et puis aussi de citer Césaire et Glissant, et de nous rappeler que les poètes et les écrivains nous permettent aussi d'accéder à la compréhension d'un certain nombre de phénomènes par le sensible et que nous en avons tant besoin. Donc je rappelle, Christine Chivaillon, vous êtes géographe et anthropologue, directrice de recherche CNRS, et vos travaux portent principalement sur les univers caribéens et les sociétés à fondement esclavagiste des Amériques. Nous allons donner la parole à Malcolm Ferdinand, qui est donc ingénieur en environnement, docteur en philosophie, chercheur au CNRS, et ses recherches portent sur l'Atlantique noir et la Caraïbe. Et je vais demander à Malcolm, comme à tout le monde d'ailleurs, de parler un peu plus lentement, parce que comme vous le savez, nous sommes traduits et que tout ça a l'air très simple pour tous les spécialistes que vous êtes autour de la table, mais pas forcément pour les traducteurs, pourtant ô combien brillants, et notre public évidemment à la hauteur. Je vous remercie à tous. Malcolm Ferdinand, bonjour. Bonjour, vous m'entendez bien ? Parfaitement. D'accord. Alors pour commencer, je commencerai à remercier toute l'équipe de l'organisation de la semaine, mais de cette séance en particulier. C'est un honneur pour moi de participer à ce panel avec donc des chercheurs que je connais déjà, comme Christine, mais aussi des chercheurs et militants que je ne connais pas encore, mais c'est un plaisir de vous rencontrer, Nimo et Férosé. Donc voilà, merci de cette invitation. Je vais proposer quelques réflexions dans le court temps que nous avons, dont le but principal de ces réflexions serait de élargir la compréhension que l'on a de la plantation et de l'extractivisme. Broadening our understanding of plantation and extractivism. C'est un peu
l'idée principale. Et je reviendrai aussi sur quelques éléments, quelques aspects qu'ont pointé Nimo et Christine, avec lesquels je suis en total accord, particulièrement sur l'université. Mais dans mes échanges, dans mes travaux, dans les discussions que j'ai avec des militants et des chercheurs, il y a une certaine façon de penser la plantation et de penser l'extractivisme qui va réduire ce processus à ce qui se passe à l'intérieur d'un enclos, à ce qui se passe à l'intérieur d'une mine, par exemple. Effectivement, cela est important, mais tout le travail que j'essaie de faire, c'est de montrer que ce qui se passe à l'intérieur de la plantation, ce qui se passe à l'intérieur de la mine, concerne, ou plutôt est le témoin d'une manière beaucoup plus globale d'habiter la terre. Ce que j'ai appelé dans mon livre l'habité colonial, colonial inhabitation. Alors, premièrement, regardons ce qui se passe à l'intérieur d'une plantation. Évidemment, il y a l'effacement, le renversement, la rupture d'écosystèmes riches, divers et variés avec leurs habitants non humains qui sont totalement effacés, expulsés et remplacés par la culture d'une ou deux denrées. Ça peut être du coton, canne à sucre, banane, indigo. Et ce processus-là n'est pas uniquement un processus technique ou mécanique, voire géologique. Cela participe d'une véritable, pour le coup, cosmovision, d'une véritable philosophie de la manière dont on habite la Terre, où on va réduire ces espaces, ça peut être des montagnes, ça peut être des cours d'eau, ça peut être des terres, ces espaces, mais aussi leurs habitants, humains et non humains, à de la matière fongible, ce que mentionnait Christine, notamment avec Catherine Youssef tout à l'heure. C'est-à-dire qu'on va se dire qu'en fait, ces espaces-là, notamment, alors que ce soit au Nigeria, que ce soit au Pérou, que ce soit en Indonésie, que ce soit aussi dans certaines régions en France hexagonale, a uniquement une matière, parlante ou pas, dont on peut exploiter l'énergie vitale à des fins financières, capitalistes, qui, comme l'a rappelé la présentatrice, ne permettent de bénéficier qu'à quelques petites personnes. Et c'était la question que posait Nimo, à qui profite l'extractivisme? On sait très bien que ça profite absolument pas, en tout cas si ça profite à certaines personnes. Et c'est cette philosophie, cette manière d'habiter la Terre qui va être imprégnée dans les corps. On va désigner en fait les corps fongibles, on va désigner à travers des processus de racialisation les corps nègres, les corps noirs, les corps racisés. À travers aussi une genrisation dans la division du travail, dans les violences qui sont inculquées à la fois au corps, mais aussi, en particulier par rapport aux femmes, à la fois à leur fonction, entre guillemets, de reproduction. Vous le savez, au moment de l'esclavage, le nourrisson, le nouveau-né de la femme en état d'esclavage était aussi la propriété du maître. Cela veut dire que cette façon coloniale d'habiter la terre a transformé le ventre des femmes aussi en industrie négrière, en industrie productrice d'esclaves, entre guillemets, productrice de matières qu'on pourra encore exploiter. Et tout cela, donc ça c'est du point de vue de la plantation. Du point de vue du corps exploité, du point de vue de la terre exploitée, cette plantation, vivre dans cet habité colonial, cela crée un ensemble de ruptures. Effectivement, les premières ruptures sont les ruptures avec son propre corps. Donc, je suis martiniquais, j'ai grandi en Martinique jusqu'à mes 18 ans, j'ai fait
mon secondaire là-bas, j'ai ma famille qui habite là-bas et j'y vais encore quand je peux y aller régulièrement. Et en Martinique, quand vous vous baladez sur l'île, c'est une toute petite île avec à peu près 400 000 habitants, un peu moins. Souvent, il y a des routes, vous prenez la voiture. À gauche, vous avez un champ de canne. À droite, vous avez un champ de bananes ou encore notre champ de canne. Mais on avance, on navigue dans cet espace avec l'idée que nous sommes en dehors de la plantation. Alors qu'en fait, la route passe au milieu de la plantation, on avance avec l'idée que nous sommes en dehors de la plantation. Et qu'est-ce qui se passe ? Soudainement, on se rend compte que le pesticide qu'on a mis dans la plantation se retrouve à l'intérieur de mon corps. Et donc là, on voit que la rupture ne tient pas. Mais pour pouvoir fonctionner, on a été dans une forme d'humanité astronaute. C'est comme si c'est un astronaute qui a son petit hublot, qui navigue à l'intérieur de sa plantation en disant « je ne suis plus là ». Donc il y a ces ruptures qui sont créées. La plantation n'est pas que ce qui se passe à l'intérieur de la plantation, c'est aussi une manière de, entre guillemets, faire société, en tout cas une manière d'organiser, de régir la société. Cela passe bien sûr par l'économie agricole qui est mise en place, ou l'économie minière, l'économie minière. Cela passe aussi par le système politique, mais aussi les infrastructures. Les infrastructures, l'emplacement des ports, des routes vont être, Nimo parlait d'une grande autoroute, je suis sûr que cette grande autoroute avait aussi une fonction commerciale. Tout cela organise en fait, a pour but de soutenir cette plantation, mais aussi, et là je tiens à vraiment pointer ça du doigt, cela organise aussi le système de justice. Le système de la justice, c'est-à-dire que la plantation et l'habité colonial de manière générale est faite pour qu'il ne soit pas possible de rendre justice à ceux qui sont considérés comme de la matière à exploiter, que ce soit des êtres humains, que ce soit de la terre, les non-humains, les animaux, etc. Je dis ça parce que, je ne sais pas si Nimo et Firosé vous savez, mais en France, notamment, il y a un cas de contamination extrêmement grave qui se passe aux Antilles, donc en Martinique, en Guadeloupe, d'où je viens, lié à la banane, la plantation de banane, une molécule qui a été utilisée pendant 20 ans, qui est cancérigène, perturbateur endocrinien, qu'on appelle le chlordécone, et qui a contaminé aujourd'hui plus de 90% de la population. Depuis 48 ans, depuis 72, depuis 48 ans. Et la semaine dernière, il y a eu une première décision de justice après 16 ans de procédure, donc on retarde les procédures, qui va vers un non-lieu. Donc, pour résumer, on est dans une île, donc on ne peut pas s'échapper. On est sur une île où plus de 90% de la population a cette molécule dans le sang, et la justice dit, en fait, circuler, il n'y a rien à voir. Donc il n'y a aucun compte à rendre de ce qui a été fait aux habitants ou de ce qui a été fait à la terre. Donc, et ça, ça va de pair, parce que ce n'est pas étonnant. Voilà, ça constitue tout ce qui se passe autour de la plantation. Enfin, quand je dis élargir la compréhension de la plantation, broadening the understanding of plantation, cela passe aussi par un élargissement géographique. Et ça, je rebondis encore sur ce que disait Nimo. Les personnes qui sont asservies, réduites en esclavage à l'intérieur de la plantation, ne sont pas celles qui vont récolter les fruits de ce qui est produit par la plantation. En France, hexagonale, nous consommons un ensemble de produits, que ce soit des batteries électriques, que ce soit des téléphones portables, des ordinateurs, que ce soit des bananes en l'occurrence, qui sont le résultat d'un ensemble de violences qui sont cachées de la part du producteur et du consommateur.
Et du coup, le consommateur fonctionne avec des œillères en se disant bah, « je regarde pas ce qui se passe là, je regarde pas ce qui se passe là, je mange ma banane, j'ouvre mon ordinateur, je passe mon téléphone ou j'allume la lumière chez moi pour l'électricité, etc. » Et ça, je pense que pour faire face aux enjeux que nous avons à faire au XXe siècle, ça doit changer. Ça doit changer en ayant conscience que tout le monde ne peut pas agir de la même façon, que ce n'est pas la même chose d'œuvrer pour avoir accès à l'eau au Congo que de le faire à Paris ou en Guadeloupe, et que du coup, on doit tisser des solidarités face à celles et ceux qui n'ont pas les mêmes possibilités d'action. Mais ça passe aussi par autre chose. On ne peut pas réduire cela à une question à la technique, même politicienne, on va dire. C'est aussi, et ça rejoint ce que disait Christine Chevalon, c'est aussi une question de connaissance, de savoir et de production du savoir. Ce qui se passe, c'est que pour qu'on puisse désigner des espaces de la Terre, notamment les latitudes tropicales, comme étant les espaces où on va avoir les plantations les plus violentes qui vont asservir les bouches des pays du Nord, il a fallu qu'on invente un ensemble d'idées reçues sur ce que sont ces terres et ce que sont les personnes qui habitent ces terres. En l'occurrence, on a produit une ignorance. On a produit une ignorance de l'histoire des personnes qui ont été dans les plantations, qui ont été descendantes des esclaves notamment, mais collectivement, on a aussi produit une ignorance, par exemple, de l'Afrique. Donc, le simple fait qu'on ait cette discussion de part et d'autre de l'Atlantique est déjà quelque chose d'assez intéressant. Moi, j'ai grandi, j'ai fait 15 ans de secondaire en Martinique, donc une île peuplée majoritairement d'afro-descendants, sans avoir lu une seule œuvre d'un auteur africain, sans connaître une seule cosmogonie, philosophie, culture, langue africaine. Et ça veut dire que on réduit encore une fois les personnes qui vont travailler dans les plantations à être que des corps fongibles et non des personnes dignes, armées de dignité, capables de penser, de créer, d'écrire, etc., etc. Donc il y a tout un ensemble de choses qu'il faut remettre en compte. Et ce que disait Christine Chevalon sur le fait que, paradoxalement, il y a un danger, et c'est là que le terme anthropocène, pour moi, est dangereux. Et j'appelle solennellement les équipes qui organisent l'école de l'anthropocène à réfléchir franchement à ce nom. Parce que c'est bien beau d'organiser des panels où on va dire « Ah bah oui, l'anthropocène, on va critiquer », mais quand même, chaque année, on va encore appeler ça école anthropocène. Il faut être conséquent, il faut être cohérent. Donc, voilà. C'est une proposition, hein, c'est vous, et... mais quand même. D'organiser ce séminaire est justement un signe d'ouverture vers d'autres évolutions et d'autres questionnements. Et c'est un appel. J'étais là l'année dernière, j'ai fait les mêmes remarques, mais encore une fois, on garde ce nom, école anthropocène. Donc, mais voilà, c'est un appel joueur, hein, je ne suis pas. Mais on est joueur aussi. Voilà. Mais pourquoi ? Parce qu'il est très bien possible